voix, extrait de l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach, qui est une pièce écrite par Bach à la suite d'une réception très célèbre en 1747 chez le prince Frédéric II, qui avait invité Bach et qui, dit-on, c'est une légende, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut réellement, lui avait donné le sujet que vous allez entendre, le sujet que Bach a traité ensuite sous forme de fugue, enfin de Richard Carr, on va dire, à trois voix puis à six voix, celui qu'on va jouer ce soir, de canon et d'une sonate en trio qui est magnifique. Alors nous avons simplement ce Richard Carr à six voix. Nous avons choisi cette pièce pour commencer ce concert. Cette pièce a été très remarquée par énormément de musiciens, entre autres par Brahms, comme Brahms était tellement amoureux de Bach et passait ses journées à lire, à jouer du Bach, et à être pénétré de sa musique d'orgue et sa musique vocale. Cette pièce a été énormément travaillée également par Webern. Et Webern en a fait une orchestration très intéressante. Et Webern, dans toute sa musique, pour la sienne et pour celle des autres, entre autres pour la sienne, il disait toujours qu'il vaut toujours mieux entendre chaque soir la même œuvre deux fois. Donc peut-être que ce Richard Carr, on ne sait pas. On vous joue une première fois en tout cas. C'est la version de Bach.